Bonjour à tous et bienvenue dans ce live, toujours dans les allées de Global Industries, le salon évidemment qui termine aujourd'hui. Nous sommes avec Martin Capdeviol qui est responsable communication et marketing du salon et de la plateforme Industrie Online. On la voit derrière. Alors Martin, cette plateforme, en quoi ça consiste? Je crois que ça a été lancé en avril 2021, donc finalement pour le salon de Lyon hein, qui était en 2021. Donc là, ça continue et ça se renforce, je crois. Exactement. Bonjour Steve. Effectivement, Industrie Online, c'est une plateforme qu'on a lancée en avril 2021. On a vécu cette période Covid un petit peu de manière compliquée comme beaucoup de gens. La plateforme Industrie Online aujourd'hui, c'est une plateforme qui nous a permis de faire vivre véritablement notre communauté pendant cette période difficile. On a tendance à dire que cette année 2020-2021, pour nous, G11, ça a été une année un petit peu de laboratoire d'idées. On a essayé de combiner plusieurs idées. Certaines étaient bonnes, certains étaient mauvaises. Industrie Online est une bonne idée. C'est une plateforme que nous avons lancée donc en avril 2021 et qui permet à des fournisseurs, alors pour la plupart sont exposants, on en parlera un petit peu plus tard, mais qui ont la possibilité du coup de présenter des produits et nouveautés sur la plateforme et du coup d'avoir de potentiels acheteurs qui se rendront sur le site internet pour prendre contact avec eux, faire des demandes de devis, etc. Alors lancé en avril 2021, ça a évolué depuis? Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui a été enlevé, mis? Alors, Industrie Online, historiquement, ce sont des salons partenaires. Des salons partenaires tous appartenant au groupe G11 naturellement. Le premier, Global Industries. Global Industries avec ses 2500 exposants. Il faut savoir que les 2500 exposants de Global Industries ont automatiquement et gratuitement accès à la plateforme Industrie Online, ce qui fait donc déjà pas mal de fournisseurs. Ensuite, on a rajouté les exposants des salons CPEM, qui sont des salons industriels également, mais plus régionaux, plus locaux. Et ensuite, on a rajouté le salon Pharmatech Cosmetech, qui est un salon qui se déroule à Chartres chaque année et qui propose des solutions industrielles pour l'univers de la pharmaceutique et cosmétique. De ce fait, ça a évolué dans ce sens-là. Tous ces exposants ont gratuitement accès à la plateforme Industrie Online. Malgré tout, de manière à ce qu'ils rentrent sur cette plateforme, ils doivent référencer des produits et des nouveautés et des solutions sur la plateforme de manière à ce qu'ils soient référencés. Sans produits, ils ne sont pas sur Industrie Online. À partir du moment où ils présentent des produits, ils accèdent à la plateforme Industrie Online. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a environ entre 1500 et 2000 fournisseurs qui sont référencés pour quasiment 10 000 produits aujourd'hui qui sont référencés sur la plateforme. Alors le maître mot, je crois comprendre, c'est l'échange, c'est bien ça? Effectivement, c'est le networking. Aujourd'hui, on favorise effectivement les échanges entre fournisseurs et acheteurs, entre exposants et visiteurs sur un salon physique, entre fournisseurs et acheteurs sur un salon digital ou une marketplace digitale. On a vu que pendant 2 ans, on n'a pas pu faire d'événements physiques. On a été obligé un petit peu de se transformer. Les métiers ont changé, les méthodes aussi. Malgré tout, on voit beaucoup de monde dans les allées de Global Industries depuis 4 jours, mais on est obligé, on se doit d'offrir de nouvelles solutions pour un visiteur qui ne peut pas forcément autant se déplacer qu'avant. Et Industrie Online est la solution principale à tout ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il ne peut pas se déplacer, on lui propose de se rendre sur Industrie Online et il peut networker avec de potentiels fournisseurs et de l'autre côté avec des acheteurs. Et bien sûr, s'il vient sur un salon, il a malgré tout la possibilité de continuer en quelque sorte sa visite de manière digitale, de manière interactive sur la plateforme Industrie Online. Alors, j'ai parlé d'échange, mais il faut aussi parler de communication. Vous savez ce que c'est? Vous êtes responsable communication. Communication dans le sens où c'est un lieu où on échange notamment, on fait du sourcing, hein, mais notamment sur les nouveautés, l'innovation. Parce qu'on est vite, perdu dans ce qui sort. Donc là, finalement, on se tient au courant. C'est presque une plateforme d'information informative. C'est un outil de veille. C'est véritablement un outil de veille. C'est que bien sûr, on a la possibilité de rencontrer de nouveaux fournisseurs qui vont répondre à un besoin précis. J'ai un besoin, je me rends sur Industrie Online. J'ai une plateforme par mots-clés, par nomenclature qui me permet de trouver ce que je recherche véritablement, le besoin que je peux avoir. Mais d'un autre côté, c'est également un outil de veille. On peut avoir l'ensemble des nouveautés qui sont référencées par nos fournisseurs, qu'ils présentent d'ailleurs sur un salon comme Global Industrie. Mais il le présente de la même manière de façon digitale sur Industrie Online et les gens ont la possibilité de veiller véritablement aux dernières innovations, aux derniers produits, derniers équipements, dernières solutions ou savoir-faire qui sort ces dernières années. Alors on a plusieurs catégories de produits, quelles sont celles qui marchent le mieux? J'imagine que vous avez un petit peu un retour sur ceux qui visitent, sur ceux qui utilisent. On a un peu un feedback là depuis, ça va faire un an. Alors, comme je l'ai dit, on a quasiment 10 000 produits aujourd'hui. Je crois qu'on est à 9 500 produits, mais le chiffre augmente en permanence. En termes de visites, on est sur à peu près, depuis que la plateforme s'est lancée, sur 90 000 visites véritablement sur le site. Ce qui fait quand même, le chiffre est en constante évolution chaque mois. On a des chiffres mensuels qui montrent que vraiment l'engouement commence à prendre sur cette plateforme digitale. Comme je l'ai dit, le visiteur a la possibilité de faire des demandes de devis directes auprès des fournisseurs. Et on voit que ça commence à prendre. Voilà, on voit que le nombre de produits augmente, le nombre de demandes augmente également. Et on voit que on répond réellement à un besoin d'un acheteur qui ne peut pas forcément se déplacer autant sur salon qu'il le faisait avant. En tout cas, on essaie de trouver des alternatives à tout ça et de lui trouver des solutions concrètes pour le coup, parce qu'on est véritablement sur un vrai échange entre fournisseurs et acheteurs.
ça. Échange, information, communication, sourcing, et puis aussi le fait qu'effectivement, on se tient au courant et on continue d'avancer dans des partenariats. Parce qu'il y a un des maîtres mots ici sur ce salon, c'est le partenariat. C'est trouver la bonne voie pour marcher ensemble, c'est ça? C'est ça aussi l'idée? C'est exactement ça. Les échanges, on l'a dit, les partenariats également. Il y a quelque chose également qu'on peut rajouter à cette plateforme industrielle, c'est le blog actualité. Et vous parliez de partenariat, ou tu parlais pardon de partenariat, Steve. Nos partenaires aujourd'hui sont très actifs également sur la plateforme Industrie Online. On relaie énormément d'actualités. On parlait d'outils de veille. Là, typiquement, on relaie énormément d'actualités de l'industrie tout au long de l'année. On fait des emailing et des opérations de marketing direct tous les mois avec ce qu'on appelle les GNI, les Good News Industry, qui permettent aux gens de rester informés véritablement des dernières nouveautés de l'industrie. Donc, c'est un petit complément à cette offre de fournisseurs qu'on propose. C'est qu'il y a une offre de fournisseurs concrète, si je peux dire, avec des produits, des solutions qui sont proposées. Et à côté, il y a un blog actualité qui permet aux gens de rester informés véritablement de tout ce qui peut se passer dans l'actualité industrielle. Donc c'est un vrai lieu de partage et un vrai lieu d'information. C'est ça. Alors c'est la marque un peu de GL Events, hein. C'est de quand un salon s'arrête, tout ne s'arrête pas. C'est ça l'idée, on continue d'être là, c'est ça, c'est ça. C'était ça l'idée en 2020. C'est vrai qu'en 2020, on est tous tombés dans cette période très compliquée. Le secteur de l'événementiel et industriel ont été particulièrement touchés, bien évidemment. On a dû se transformer, on a dû se réinventer. Industrie Online a permis ça. Aujourd'hui, ça a permis de faire des espèces de salons digitaux, on peut dire, où le maître mot est networking, échange, convivialité quelque part, parce que malgré tout, il y avait de vrais échanges entre exposants et visiteurs. Alors, rien ne vaut un vrai serrage de main, si je peux dire, dans les allées d'un salon, mais malgré tout, c'est un vrai complément à une visite où ça peut même remplacer pour un visiteur étranger, typiquement, qui peut, par contrainte Covid également, peut-être ne pas se déplacer en France ou ne pas se déplacer à Paris. C'est un vrai outil de veille pour lui et un vrai outil de promotion pour un fournisseur. Alors, une question, peut-être, on a beaucoup aussi parlé d'éco-responsabilité. Hein. L'industrie, la vieille cheminée qui fume, c'est fini, à en croire hein, les exposants. Est-ce qu'il y a cette thématique, je ne sais pas, produits d'occasion, produits, une thématique cycle de vie des produits? Est-ce qu'on peut échanger sur ce grand débat, prendre vraiment en main le fait que même dans l'industrie, on veut aller vers le recyclage, on veut aller vers... Il y a ça, le réemploi. Ça existe aussi sur cette plateforme? Il y a ça? Alors effectivement, on voit de par les solutions proposées par les fournisseurs, il y a bien évidemment cette partie éco-responsabilité environnementale qui rentre en jeu dans les solutions proposées par les fournisseurs, bien entendu, et dans les échanges avec les acheteurs également. Cette partie emploi n'est pas dans la plateforme Industrie Online. Cette partie emploi, on peut la trouver sur GI Avenir, le grand dispositif qu'on fait autour de l'emploi et de la formation sur Global Industrie. Sur les salons CPM qui sont également concernés par la plateforme Industrie Online, ils ont également mis en place l'opération CPM Avenir qui est également quelque chose autour de l'emploi et de la formation. Dans la plateforme, pas encore. C'est vrai que c'est délicat, entre guillemets, sur une plateforme digitale de mélanger du professionnel et peut-être du plus jeune, j'ai envie de dire, ou du moins des opérations d'emploi et de formation. Mais on y travaille. Aujourd'hui, c'est vrai que chacun des salons mène ses propres opérations sur l'emploi et la formation. On fait également des plateformes de recrutement, vraiment des plateformes dédiées à un demandeur d'emploi ou à un jeune en fin d'études, pardon, qui va rechercher un stage, une alternance, un emploi. Mais on ne l'a pas encore inclus, effectivement, dans la plateforme Industrie Online. D'accord. Donc, il y a la thématique... cycle de vie des produits et puis formation et emploi. Voilà. Le premier objectif d'Industrie Online, c'est purement business. On est vraiment sur une plateforme business. Très bien, Martin Capdeviol, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir sur le stand. On vous offre le café, donc profitez-en. Merci Martin. Merci Steve.